Top départ pour les fêtes de fin d'année au City Glass du Mans. Et ça commence dès ce mercredi soir avec un événement dédié aux étudiants. Ils peuvent venir profiter à partir de 21h de DJ. C'est gratuit, mais à une condition. C'est gratuit si on peut justifier qu'on a moins de 30 ans ou si on a juste une carte lycéenne, une carte étudiante. Et on a mis une billetterie quand même pour contrôler le nombre de personnes qui viennent ce soir. L'événement s'inscrit dans le festival Forever Young, organisé par la ville. Ce que la ville voulait, c'est que les jeunes retrouvent effectivement le plaisir d'être ensemble. Donc ça fait partie dans la dynamique de ce qui avait été fait en début d'année avec Forever Young, avec différentes animations. Là, plutôt sur la fin du trimestre, de proposer un moment où les étudiants peuvent passer un bon moment sur la glace. C'est vrai que nous, on est juste à côté de l'université. C'est un espace où les gens peuvent venir glisser, bouger et s'amuser. Donc c'est très convivial. Et après les étudiants, place au Père Noël. Il sera accueilli sur la glace ce samedi à 17h30. C'est la première fête de Noël dans le quartier ici. Donc c'est organisé par le Conseil des quartiers Nord-Ouest. Ce sera sur la place Raphaël-Élysée, là, qui est juste derrière City Glass, avec un marché de Noël éphémère, donc d'une journée, avec tous les commerçants, le restaurant L'Annexe, la Carrefour Market, les deux salons de coiffure, la boulangerie du coin. Et puis donc City Glass, on participera nous, parce qu'on propose une animation exceptionnelle en fin d'après-midi. Le masque sera obligatoire partout, même sur les 1500 m² de glace.